Monsieur Johnny, vous êtes déjà là? Je ne vous avais pas entendu. Oui, je suis là, Madame Eugénie, bonjour. Bonjour, Monsieur Johnny, vous avez bien dormi? Super, super. Vous avez l'air bien gai ce matin, Monsieur Johnny. Et c'est pas qu'un air, hein? Vous êtes sûr que tout va bien, Monsieur Johnny? Très bien, très bien. Fais pas cette tête-là, je vous dis que ça va bien. Vous êtes vraiment sûr? Parce qu'à vous voir comme ça... Mais je vous dis que tout va bien. Alors, si tout va bien, pourquoi vous riez comme ça? Je peux pas vous dire pour l'instant, vous allez comprendre. Ah, voilà la plus belle. Bonjour, mon bébé d'amour. Bonjour, tout le monde. Bonjour, mademoiselle Lola. Vous avez bien dormi? Très bien. Merci, Eugénie. Bonjour. Bonjour. Salut, Johnny. Ça a l'air d'aller plutôt bien, toi. Ça va plutôt bien, oui. Si vous arrivez à comprendre ce qu'il a, dites-le-moi, parce que moi, je renonce. Je vais vous chercher votre petit déjeuner, mademoiselle Lola. Alors, mais qu'est-ce qui t'arrive? Enfin, ne dis pas rien. D'habitude, à cette heure-là, t'es pas comme ça. Oui, parce que d'habitude, j'ai pas une nouvelle comme ça. Alors, mais quelle nouvelle? Je préfère rien te dire. Tu vas avoir la surprise. Tu vas comprendre, c'est trop drôle. Coucou, bonjour. Monsieur Antoine. Super, papa, mais on t'attendait cet après-midi. Je sais. J'ai fini mon reportage hier soir, alors j'ai pris le train de nuit et me voilà. Eh ben bonjour, monsieur Antoine. Bonjour, ma génie. Avec votre manie de rentrer comme ça, quand on vous attend pas, eh ben j'ai pas votre pain perdu de régime, moi. C'est pas vrai. Ah, ben c'est pas grave. Génie, pour une fois, je prendrai du pain perdu normal, voilà tout. Je suis bien content que tu sois là, beau papa. On est de fous plus en riz. Qu'est-ce qu'il a? Ah, oh, ben je ne sais pas. Il est comme ça depuis ce matin. Ah. T'as fait un bon voyage? T'es en forme? Ben oui, ben oui. Eh ben tant mieux. Tu vas en avoir besoin. Quelqu'un pourrait m'expliquer? C'est pas la peine, regardez. Ça me fait plaisir de te revoir. Et Madame Génie aussi. Elle est pas là. Non, non, elle est à la cuisine. Attends, tu seras mieux comme ça. Merci, ma poule. Tu veux que je te beurre tes tartines? Je veux bien. Parce que je me rappelle la dernière fois... Les matériels ici en France sont tellement fragiles. Une tartine? Pas une mouillette! Excusez-moi. Qu'est-ce qu'il a, Johnny? Je sais pas, mais bouge pas, je vais voir à la cuisine. Hein? Tu manges pas, Antoine? Oh, que tu es beau quand tu manges comme ça, mon Johnny coucou. Merci, ma poule. Excusez-moi, je vais en cuisine si mon pain perdu est prêt. Je ne sais pas ce qu'ils ont tous ce matin. Mais heureusement, toi, tu restes avec moi. Pas de moi. Oh, oui, ma poule. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Mais c'est justement ce que Johnny allait nous expliquer. Ça vous a fait un choc, hein? On était sûrs. Ah, c'est donc ça qui vous est en rire depuis ce matin? Bon, ben alors, tu nous expliques. Bon, ben, voilà. C'est ta cousine Marie. Elle devenait tellement pot de colle que je savais plus quoi en faire, moi. Alors, hier, j'ai craqué. Comme j'ai vu que je m'en débarrasserai jamais, je me suis décidé à l'emmener à une répète. Je me suis dit, tant pis, si les copains se moquent de moi, j'avais trop besoin de faire de la musique. Alors là, je vous comprends, monsieur Johnny, hein, parce que une semaine sans toucher une guitare, ça doit être très dur. Ça, hein, madame Eugénie, vous au moins, vous savez comment... Non, non, mais bon. Et alors? Et ben, alors on a répété. Et Giant Coucou était là, et il a chanté. Et quand il a chanté, il pousse tes pieds de la commode, Marie a craqué. Pousse tes pieds de la commode, et elle a craqué. Affirmative, mon papa. C'est vrai que pousse tes pieds de la commode, c'est très très beau. Hein. Et puis ça swing. Vous connaissez pas, monsieur Antoine? Ah non, 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 je ne connais pas pousse tes pieds de la commode, mais je dois sûrement rater quelque chose. Hein. Comment vous connaissez ça, vous?
Ça, c'est Monsieur Johnny qui me l'a fait écouter en avant-première. Non, mais tu veux dire que Marie a vraiment flashé sur Giant Cuckoo? Ben oui. Eh, j'invente rien, t'as bien vu. Non, mais alors, ça veut dire que tout s'arrange? Ben, à merveille. Eh ben, enfin, me lâcher les Santiago. Alors, question, leçon de morale, à mettre la pédale douce. Eh ben, c'est super. Merci, Giant Cuckoo. Non, mais attendez. Vous voulez dire que ma nièce a dormi avec ce... Oh, ah, ah. Attention à ce que tu vas dire, beau papa, t'es au bord du gouffre. Mais non, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Je voulais dire que ce n'est pas un garçon sérieux, c'est tout. Enfin, papa, si elle l'aime. Mais Lola, non mais tu imagines ce que va dire ta tante quand elle va apprendre que sa fille... Elle... Oh, Marie, je veux absolument être là quand elle apprendra la nouvelle. Oh là là. Oh là là. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, c'est pas. J'ai juste voulu attraper le jus d'orange. Je ne savais pas que les tables françaises étaient aussi fragiles. Ah, bonjour. Salut, Maxinaz. Bonjour, Aristide, ça va? Ouais, ça va. Mais vous savez pas où est Marie? Elle va arriver. Ah, tant mieux. J'ai appris ses photos par cœur. Il faut que j'y rentre et que je lui dise que je suis de nouveau à sa disposition. Appris ses photos d'enfance par cœur? Oui, tout y est. Tu veux jeter un coup d'œil? Non, non, merci. Mais enfin, Aristide, tu es amoureux d'elle à ce point? Mais c'est ma déesse, ma muse, mon unique amour. Ne te fatigue pas, il n'y a rien à dire, il apprendra toujours assez tôt. Salut Lola. Ah, bonjour. Salut, on t'a pas fait trop attendre. On ne savait pas, hein. Bonjour. Excuse-nous, bonjour. Lola. Hein. Bonjour Lola. Je vous embrasse pas, les nazes, mais le curier. Ben et lui, là, qu'est-ce qu'il fait? Il révise en attendant Marie. Mais attends, il révise quoi, là? Il y avait un examen? Oh, j'ai pas fait attention. Laisse tomber l'allumer. Si t'arrives, toi, pourquoi tu rigoles comme ça? Oh, te fatigue pas, va. Tu sais, à chaque fois qu'il nous voit, c'est une manie chez lui. Non, mais c'est pas ça aujourd'hui, Léna, c'est beaucoup plus drôle. Et c'est quoi, alors? Raconte. Bah dis donc, pour une fois que tu trouves un autre sujet de rigolade que nous... D'ailleurs, Lola, moi, ça me fait trop rire. Eh ben... C'est Giant Cuckoo. Il est revenu. Non. Si. Mais c'est pas ça qui est drôle. Il est revenu pour Marie, elle est raide dingue de lui. Marie, elle était pas... Mais si, elle était toujours après moi, un vrai pot de colle, mais là, ça y est, j'en suis débarrassé. Et Marie avec Giant Cuckoo, ça c'est un scoop, hein. Ouais, dis-moi Lola, elle était pas plutôt du genre coincée, ta cousine? Oui, gentille, mais du genre à faire la morale... Mais ça, c'était avant que je la décoince. Ça, maintenant, pour être décoincée, elle est décoincée. Faites attention à vous, les nazes, si elle vous tombe dessus. Ouais, mais lui? Eh ben, lui, il ne sait rien encore. Oh, ça va lui faire un choc. Bonjour tout le monde. Bonjour, monsieur Mille. Bonjour. L'humeur est bonne, à ce que je vois. C'est à cause de monsieur Giant Cuckoo et de mademoiselle Marie? Eh ben, dites donc. Je vois que vous gardez le contact, monsieur Mille. Lola, bon, laissez ma tournée. Qu'est-ce que vous prenez? Un café, tu vois. Oh, bah, un lait granadine. Ouais, pour moi, un café. Et moi, je prendrai une limonade. Un café pour moi, Emile. Et vous, mademoiselle Lola? Un banana split, s'il vous plaît, monsieur. Je vous l'apporte tout de suite, mademoiselle Lola. Vous avez vu? C'est pratique. À chaque fois que je lui parle de génie, il nous fait pas payer. Et les copains, c'est quoi ça? C'est pas possible, regardez-moi ça. Maman Georgette! Où est-ce qu'elle est, la grosse qui m'a volé mon Giant Cuckoo? C'est tout de même incroyable! Regardez-moi ça. Une piscinette et tout s'effondre. Ah, mais c'est pas possible. Ils sont fragiles, les marteaux.
encore ici? Mais c'est toi qui es tellement fort, mon Giant Cuckoo. Ah, tu trouves? Ah oui. Je me demande, l'Antoine, s'il n'a pas trop négocié sa maison. On lui a filé de la camelote. Toi, en tout cas, tu n'es pas de la camelote. T'as raison, ma poule. Qu'est-ce que vous faites, monsieur Giant Cuckoo? Je répare l'escalier. Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Vous savez, madame Eugénie, je ne savais pas que les escaliers françaises étaient aussi fragiles. De toute façon, il y a un ouvrier qui doit passer pour la table. Oh, qu'est-ce que tu es fort, mon Giant Cuckoo. Vous êtes gentil, s'il vous plaît, et vous ne touchez plus à rien, d'accord? D'accord, d'accord, madame Eugénie. Je suis désolé. Je ne savais pas que les escaliers françaises étaient aussi fragiles, madame Eugénie. Enfin, mais qu'est-ce que c'est que tout ce bruit? Non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh. Monsieur Antoine. Ça va mieux, monsieur Garnier? Oui, ça va. Tant mieux. En tout cas, les Français sont plus solides que leurs meubles. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez manqué une marche. Vous l'avez manqué parce qu'elle manquait. Bon, je vais chercher la trousse à pharmacie. Je viens avec toi, mon Giant Cuckoo. Oui, ma chérie. Oh là là. Ne bougez pas, monsieur Antoine, je vais ouvrir. Où est-ce qu'elle est, la grosse qui m'a volé mon Giant Cuckoo? Je sais pas. Ça va mieux pour papa? Hein? Attends, mais ne bouge pas, papa. Ça va aller. Oh, je suis désolé pour papa. Hein. On est venu aussi vite qu'on a pu. Mais t'as vu la taille de ses jambes? Elle court vite. Oh. Voilà. J'ai ce qu'il faut. Qu'est-ce que c'est? De l'arnica, monsieur Antoine. Non. Ah, mais si. Je mettais déjà ça sur vos bosses quand vous étiez petit. Allez, allez, ne bougez pas. Mais non, ne bougez pas, ça fait pas mal. Sois courageux pour papa, je suis là. Ça fait pas mal du tout. Vous dites toujours ça, et puis après... Aïe, 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 aïe. Voilà, ça y est, c'est fini. Aïe. Maintenant, je vais vous faire une tisane. Non, merci, je n'ai pas de tisane, ça va beaucoup mieux. J'ai dit une tisane. Et puis après, ça ira très bien. Avec beaucoup de sucre, bon papa, ça devrait passer. Oui, mais c'est 20 ans que Jenny me fait des tisanes. J'ai tout essayé, ça n'a jamais passé. Si tu veux, j'en boirai la moitié. Oh, c'est vrai, Jenny? Oh, merci. Oh, c'est bon d'avoir des amis sur lesquels on peut compter. Vous avez fini tous les deux? Oh. Et la folle, elle est où? Là. Hein? Je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris, maman Georgette, mais cette fille, elle m'a rendu comme fou. Je ne sais pas ce que tu y trouves, cette grosse. Je ne sais pas non plus, mais maintenant que je te vois, ça m'a passé. Giant Cuckoo, c'est laquelle que tu aimes? Cette naze ou ta maman Georgette? Tu sais, maman Georgette, il n'y a qu'une femme au monde que j'aime, toi. Giant Cuckoo, tu es si mignon. Elle a l'air calmée, hein? Mais oui, je te dis que tout va bien maintenant. Oh. Et Marie? Mais tout va bien, beau papa. Ne t'inquiète pas. Aristide s'en occupe. Ne pleure pas, Marie. T'es la plus belle. Et puis je suis là. Oui, mais toi, Aristide, c'est pas pareil. Je te promets de faire un effort. Et puis, je peux même apprendre à faire de la musique. Mais jamais tu pourras chanter « Pousse tes pieds de ta commode » comme lui. Ben alors, tout va bien, hein? Mais oui, tout va bien. Tant mieux. Tant mieux. Thank you.
On dirait qu'il reprend connaissance. Bonjour, monsieur Garnier. Mmh. Et bonjour, monsieur. Ça va mieux, monsieur Garnier? Ça, on peut dire que vous nous avez fait peur, on vous croyait mort. Oh, écartez-vous un peu, les abeilles, laissez-le respirer. Ouais, il n'a pas l'air d'avoir de séquelles, hein. Enfin, du moins apparentes, quoi. Écartez-vous, les nazes, laissez-le souffler, ce pauvre beau papa. S'il vous voit, il va encore tomber dans les pommes. Ça va, beau papa? Qu'est-ce qui s'est passé? T'as eu un passage à vide. Tu te sens mieux? Je me sens très bien. Mais oui. Ah, j'ai rêvé. C'est ça, hein? J'ai eu un accident. C'est une voiture qui m'a renversé. Il l'a atteint quand même. Alors. Non, pas exactement, papa. Tu as eu un choc, mais maintenant, ça va beaucoup mieux. Hein? Mais oui, tout va bien maintenant, monsieur Garnier. Et puis, on est là. On a fait aussi vite qu'on a pu, hein. Oui, c'est quand on a vu le monstre tout à l'heure à la cafette, on s'est douté qu'il allait arriver un accident, hein. Mm-hmm. Enfin, heureusement que c'est sur vous que c'est tombé, hein. On a eu tellement peur pour Lola. Tout va bien, alors. Ouais. Hein? Oui, tout va bien. Non, tout va mal. Oh, écoute, Marie, n'embête pas M. Garnier, s'il te plaît. Mais ouais, écoute, il va retomber dans les pommes, là. Non, ça va très bien. Qu'est-ce qui se passe, ma petite Marie? C'est Jaïen Coucou. Ah, oui, il est... T'inquiète pas, il est parti. Il est parti avec maman Georgette. L'asperge? Ah. Ma vie est fichue. L'homme de ma vie vient de me quitter. Mais je suis là, moi, Marie. Oui, mais toi, c'est pas pareil. Jaïen Coucou, il était beau, sexy. Oh, puis il chantait si bien. Oui, mais moi, je t'ai dit que je pouvais apprendre. Oui, mais Jaïen Coucou, il n'a pas besoin d'apprendre pour savoir. Et puis, il avait la musique dans la peau et... Oh, il chantait si bien. Je me demande si je la préfère pas en pot de colle qu'en pleureuse. Écoute, Johnny, ne sois pas méchant. Je veux rentrer chez moi. Je peux pas rester ici. C'est vrai, tu rentres à Maubeuge? Oui, je suis trop malheureuse ici. Tu veux rentrer, ma petite Marie? Oui, j'ai trop de souvenirs ici. Je ne supporterai pas. Oh, bah ça va nous faire de la peine, hein. Mais enfin, notre devoir est de respecter ta décision. Ah oui, un choix comme ça, ça se respecte. Ah oui, oui. Oh, c'est sûr que ça va être dur pour nous, hein. Mais je crois que c'est une très bonne décision. Oui. Je crois que finalement, je vais la regretter, notre petite Marie. Hé, hey, madame Eugénie, pensez à moi. Oh, je sais bien, monsieur Johnny, mais finalement, elle était bien gentille, cette pauvre petite. Ah, ça, pour être gentille, elle était gentille. Puis, pas mal roulé, hein. Oh, excuse-moi, Lola. Eh ben, dis donc, l'allumée, on se dévergonde, on dirait. Mais c'est vrai qu'elle va nous manquer. Ouais, mmh. Et elle était vraiment gentille. Bon, ça va, les nazes, elle s'en va. Mmh. On pourrait peut-être lui demander de rester. Qu'est-ce que t'en penses, Lola? Ah, non, non, Lola! Bon, si tu me promets d'être raisonnable... Ah, tout ce que tu veux, je te promets tout ce que tu veux si tu lui demandes pas de rester. Bon, alors je ne dirai rien. Ah, Marie. Attention à la marche. Merci, Johnny. Oh, mais y a pas de quoi, c'est très dangereux, cette marche. Si tu t'étais cassé la jambe, tu serais resté immobilisé ici au moins 3 mois. Bon, je crois que je n'ai rien oublié. Alors, au revoir et merci pour tout, madame Eugénie. Oui. Au revoir, mademoiselle Marie. Et à bientôt, j'espère. Oh, je crois que je n'aurai pas le courage de revenir à l'endroit où j'ai connu mes premières amours. Déçue. Au revoir, tonton Antoine. Au revoir, ma petite Marie. Et surtout, tu embrasses bien tante Marthe de notre part. Hein? Oui, tonton. Au revoir, les abeilles. Jamais je n'oublierai votre bourdonnement. Au revoir, Marie. Au revoir, Marie. Au revoir, Lola. Au revoir, Marie. Et reviens quand tu veux. Merci. Allez, au revoir, Marie. Très contente de t'avoir connue. Jamais je ne t'oublierai, Johnny. Tu sais, toi et moi, on est passé très près du bonheur. Oui, ça, très près. C'est vrai, tu aurais pu être l'homme de ma vie. Enfin, l'homme de ma vie,
C'est Jayan Coucou, il m'a quitté. Que les portes françaises étaient aussi fragiles. Regardez ce que vous avez fait. Je suis de retour, Madame Jenny. De retour? Oui. Je me suis arrangé avec Maman Georgette. Je lui ai filé ma vendeur de collection. En échange, je peux vivre avec vous 3 jours par semaine. Vous voyez, tout s'arrange, Madame Jenny. Ma Marie, donnez-moi un mari.